Oh. Yo les gars, yo, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Donc cette fois-ci nous sommes à Montréal avec Jonathan. Jonathan, québécois, pur laine, avec l'accent comme qu'on peut le voir. Voilà, c'est un freestyler aussi, donc il m'a invité gentiment chez lui. Tu freestyles depuis combien de temps? Ça va faire environ 4 ans. Ok. 4 ans, mais avec l'hiver au Canada c'est plus compliqué, la neige et tout. On a moins de temps de pratique qu'en France. Ouais, bah ça je me doute, ouais. Il m'a envoyé des photos, des vidéos. Mais les gars, il y avait de la neige, il y avait ça de neige. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un truc de ouf. Du coup, moi je suis venu en été et j'ai pris. Si ça va mal dans la neige, hein. J'ai pris mes précautions. Moi je viens en été, au moins on peut freestyle. Il fait plutôt bon, donc voilà, on va faire des petits street shows. Là, ouais. On va pas aller acheter des chaussures, on va aller acheter des. Des putain, des pompes. Des pompes, des souliers. Mais voilà. C'est des souliers. On va acheter comme des ça, souliers. C'est un chandail, pas un t-shirt, un chandail. Ils sont tarés, ces Québécois. Pour passer. Passer où? Ben attends pour passer, mais regarde pas, ah, regarde vers là, regarde vers là. Hein? Regarde vers là. Mec, je suis en train de filmer. Mais gros, je comprends pas ce que tu veux faire. Mais je veux faire un plan pour ma vidéo. Mais avance. Il comprend rien, c'est pas possible. Bon les gars, il commence vraiment à me saouler, le petit là à côté de moi. Ça fait 20 minutes les gars qu'on est en train de marcher. On est en train de tourner en rond, je le vois bien, hein. Il me prend pas pour un blaireau là, je vois bien qu'on tourne en rond. Une marche. Et il me dit si je sais où on va, on va aller acheter des souliers, on va les acheter, t'inquiète pas. Oui mais je vois bien qu'on tourne un peu mec. Donc est-ce que tu es sûr de savoir où on va? Maintenant je sais où ce qu'on va. Avant on prenait juste une marche. Maintenant je sais où ce qu'on va. T'es un tueur. Donc je pense qu'on a trouvé. Nous sommes arrivés. Donc là, on va magasiner, c'est des ça? Souliers. Là, on va magasiner des souliers. Yes! Jonathan Paul qui calcule son change. Son change, mec, ça. T'es même pas en train de me cadrer, tu me cadres l'épaule là. Black Paris. Alors, moi, les gars, j'ai un petit truc à vous dire. Voilà. Depuis que je suis au Canada, je suis émerveillé par tout ce qu'on n'a pas en France. C'est très simple. Tout ce qu'on n'a pas en France. Je suis comme un enfant, j'ai des étoiles dans les yeux. Et là, mais regardez-moi ça, montre-moi un billet de 5. J'ai des billets de 20, moi aussi. Les gars, les billets de 20, regardez-moi ça. Ils sont magnifiques, avec la petite feuille d'érable et tout là. Transparent, magnifique. Moi, franchement, je kiffe tout ici. Oh. Et on n'a toujours pas acheté les souliers. Mais ça sent bien. Ça sent bien. Donc les gars, là, je vais aller manger donc une petite spécialité du Québec. Donc ça s'appelle la poutine. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. On me l'a vendu comme étant un plat délicieux. Donc je vais voir ce que ça donne. Right here, on down. Right, more than I get. You believe me?
gym, man. Hey, be safe, arrive alive, and you're welcome to the summer, my friend. Yeah, thank you very much. Anytime, my friend. Ciao. All right. Ça a l'air vraiment très très bon. Allez, mange la merde. Je sais même pas ce que je mange. Je sais même pas ce que c'est. Mais mets des frites avec ça, crétin. Ça, c'est du fromage, ça. Mais oui, mais mets des frites avec. C'est vraiment excellent, franchement, c'est très très bon. Après, c'est vraiment spécial, nous on n'a pas du tout ça en France, mais c'est vraiment excellent en tout cas. Voilà, je pense que je le conseille à tous les Français qui connaissent pas, manger poutine, la poutine. Bon, c'est bon, il est content, il a pris ses petites chaussures. Ouais, on les a trouvées. Ouais, bonjour. Enfin. Bonjour. Hey, bonjour. Bientôt, je prévu faire ça. Allez, ça part en puma, les gars. Ça part en puma. Be safe, arrive alive, and you're welcome to the summer, my friend. Yeah, thank you very much. Anytime, my friend. Ciao.